بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الشيخ خامس الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته très heureux d'être parmi vous aujourd'hui ce vendredi أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله يوما مباركا على جميع الأمة الإسلامية وأن يرفع البلاء والوباء علينا اللهم آمين يا رب العالمين Chers frères, mes chères sœurs, nous continuons justement cette série sur le Coran et la foi musulmane. À quel point ce livre nous est cher, parce que c'est un miracle tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce livre pour défier tous ceux qui prétendaient être, être des, 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 des éloquents, des, des gens de littérature et des gens de, de poésie. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoyé. Euh, par le biais euh, du messager d'Allah, Muhammad wa sallam, euh, à une époque où la poésie ou la littérature était euh, vraiment quelque chose de, de, de très très développé euh, chez les Arabes. Euh, euh, et c'est la raison pour laquelle Allah voyez le Coran comme étant un miracle littéraire, un miracle linguistique, un miracle d'éloquence. Euh, chaque, euh, à travers l'histoire, Allah a. Euh, donnait à chacun de ses messagers euh, un, un, un miracle qui correspondait justement au domaine dans lequel excellait son, son peuple quand par exemple Moïse il était dans un dans un milieu et dans un dans, dans, dans une société qui, euh, qui, qui qui chérissait et qui développait énormément la, 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 la magie la sorcellerie donc Allah subhanahu wa taala a renvoyé Moussa alayhi salam avec la capacité, par exemple, d'ouvrir juste avec un coup de bâton euh, une voie dans la mer Rouge, ou même, par exemple, transformer son bâton en, en, en grand serpent géant qui avalait tous les serpents euh, que créés par leur magie euh, et dans, dans, dans l'illusion euh, euh, de ceux qui, qui observaient cette magie euh, des serpents. Et Allah Wa nous raconte ça à travers, à travers les, les récits coraniques. Et Allah subhanahu wa nous raconte également euh, le miracle de Jésus, par exemple, où, euh, dont, dont le peuple était connu par la médecine, par euh, les, les, les guérisseurs, etc., etc. Et Allah wa a envoyé euh, Jésus, euh, Isa avec justement euh, cette, cette, euh, ces miracles euh, qui laissaient bouche bée tous les, tous les guérisseurs de l'époque. Euh, entre autres, donc il pouvait euh, guérir les, les, les non-voyants, il pouvait euh, créer par exemple à partir d'argile de, euh, de, 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 des oiseaux euh, et il pouvait aussi euh, euh, même ressusciter les morts. Tout ça, bien sûr, par la permission de Dieu. Subhanahu wa et Allah a, euh, a donné justement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce. Euh, ce, ce Coran comme étant un miracle de la, de la poésie, de la, de la littérature même si ce n'est pas un livre euh, ni littéraire, ni poète euh, ni de poésie, ni de, de révélation scientifique stricto sensu mais il est tous à la fois dans chaque lettre, dans chaque verset dans chaque surat euh, se révèle vraiment euh, une espèce de, euh, de mystique euh, à travers euh, à travers euh, à travers les lignes et entre les lignes comme Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا donc nous l'avons révélé dans une traduction approximative nous l'avons révélé euh, comme étant une lumière ce, ce coran ce livre euh, une lumière avec laquelle nous guidons ceux que nous voulant parmi nos serviteurs donc Allah a envoyé ce livre pour défier ceux qui se considéraient supérieurs en termes d'éloquence et de littérature à l'époque du prophète Mohammed alayhi wa sallam pour les convaincre que ce livre ou que le prophète Mohammed alayhi wa sallam était le, 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 le messager de Dieu tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'illettré, il n'était pas connu par euh, par, par sa poésie ou quoi que ce soit et, et, et il n'a jamais appris la poésie euh, nous l'avons pas nous lui avons pas appris la poésie et il, il ne lui était pas il ne lui appartenait pas d'apprendre la poésie en parlant du prophète mohammed et c'était quelqu'un d'illettré il ne savait ni lire ni écrire et pourtant il il, il, il recevait et il, il, il parlait vraiment un, un langage d'une fluidité qui impressionnait tous les éloquents, tous les, les grands poètes de l'époque. Pour, 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 pour s'en convaincre, je vous, je vous raconterai, mes chers frères, mes chères sœurs, trois ou quatre histoires justement de, cette, de ce miracle littéraire et de structure linguistique du coran euh, par exemple euh, l'histoire de tofe euh, arda, euh, qui, euh, qui qui était un, 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 un patriarche qui était un, un chef de tribu euh, en arabie et euh, il venait de temps en temps faire euh, son pèlerinage pour pratiquer son rite avant euh, d'être euh, avant de se convertir à l'islam il venait euh, pour pour pratiquer son rite polythéiste et euh, le jour où il est arrivé, euh, un jour il est arrivé et euh, euh, les coraïchites euh, les, les euh, l'ont intercepté à l'entrée de, de la Mecque et en le mettant en garde euh, contre Muhammad wa sallam, en lui disant Il euh, oh, oh, y a, y a fail euh, il y a un homme parmi nous qui prétend être un un." un, un un messager et qui va euh, essayer de te de te démarcher de, de t'approcher avec euh, avec des mots euh, euh, qui, qui risquent de t'ensorceler donc fais attention euh, à toi et au euh, il disait euh, ils ont continué à mettre en garde à m'avertir euh, quant à quant au danger de Mohammed salle jusqu'à ce que j'ai mis euh, des cotons tiges euh, dans mes euh, dans mes oreilles, afin des oreilles, en fait, euh, afin que je n'entende euh, rien de ce que Mohammed disait. Euh, et euh, il voyait, euh, euh, donc, euh, et, il voyait le prophète Mohammed à côté de la Kaaba et euh, euh, Tofail, donc, il faisait ses, ses tours, comme le pèlerinage. Euh, eux aussi, à l'époque, avant l'islam, il faisait des tours euh, de la Kaaba et euh, et il gardait justement ses oreilles bouchées pour ne pas entendre la parole de Dieu, de la bouche du prophète Mohammed. Et subhanallah, lui-même, il raconte ça. Il dit, et Allah a voulu que j'entende les paroles de Mohammed, les paroles du Coran. Et je me suis dit, Tofail raconte, et je me suis dit, si jamais ce qu'il dit est correct, euh, et euh, quelque chose de, de, de convenable, alors je vais l'accepter. Si ça ne l'est pas, ben, tout simplement, je vais le rejeter. Moi-même, il dit lui-même, euh, je suis poète et euh, je sais discerner de, 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 le bon du mauvais, euh, le, 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 la parole de qualité, de la parole médiocre, etc. etc. Et à ton donc, donc il, il s'adresse au prophète Mohamed, il lui dit, oh Mohamed parle-moi de ta révélation parle-moi de, de, de ton message et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui récite trois trois versets trois sourates que nous connaissons tous que même nos enfants connaissent euh qul huwa allah ahad sourate al-ikhlas qul a'udhu bi rabbil-falaq sourate al-falaq et qul a'udhu bi rabbinnas sourate an-nas donc Tofil ibn était impressionné par, cette, par, par ces versets, par, ce, par cette parole divine. Et comment il peut en être autrement quand on entend la parole de Dieu, même si on n'est pas arabophone, on est impressionné par cette, 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 cette magie qui se dégage justement de la de la parole de Dieu wa et euh, c'est ainsi que le euh, Ibn Amr s'est converti s'est converti tout simplement subhanallah et comment parmi nous euh, euh, combien parmi nous écoute euh, la parole de Dieu pendant euh, pendant des, des, des heures et des heures et subhanallah euh, certains euh, n'arrivent pas à être influencés à être affectés par la parole de Dieu subhanahu wa euh, donc c'est une, une petite histoire, euh, une belle histoire qui mérite d'être méditée euh, pour voir à quel point euh, ce Coran est, est en soi un miracle et Tofail nombre Amr aussi donc s'est converti euh, juste euh, en écoutant les ces, ces, ces versets coraniques euh, à nous aussi de méditer euh, le Coran euh, bien entendu euh, la deuxième histoire. Euh, mes chers frères, mes chères soeurs, c'est celle de Utba ibn Rabi'a. Utba ibn Rabi'a, mes chers frères, mes chères était euh, un des patriarches aussi de, de la Mecque. C'était quelqu'un qui avait une certaine stature, qui a qui, une certaine notoriété. Euh, et euh, euh, il a voulu justement. Euh, il était quelqu'un de très sage en passant. Utba ibn Rabi'a, il est mort euh, en étant mécréant. Il n'a pas voulu se convertir par. Euh, par arrogance ou peu importe mais il, il, il n'empêche qu'il qu était quand même assez sage et la preuve c'est que euh, ce qu'il va raconter à, son, à, son, à, son, à sa communauté, à, surtout au patriarche de la Mecque de l'époque il, il, il s'adresse à eux lorsqu'il voit que Mohammed euh, était vraiment décidé à continuer son, euh, sa révélation, son message euh, et euh, il a décidé justement de trouver un terrain d'entente avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en essayant de quelque sorte de, de, de marchander, de, de lui proposer un, lui proposer un, un marché tout simplement, c'est-à-dire en lui donnant quelque chose euh, de la vie d'ici bas et de renoncer au message divin. Et il lui dit, euh, euh, il, il s'adresse justement à son peuple en disant, y'a a al marché, الا اقوم الى محمد فاكلمه واعرض عليه امورا لعله يقبل بعضها peut-être que je pourrais parler à Muhammad et probablement qu'il pourra accepter notre notre euh, notre entente et et et, et il lui ont donné le feu vert. il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibn akhi innaka minna haythu qad alimta Euh, donc, tu sais que tu, tu es quelqu'un de très respecté parmi nous, tu, tu fais partie d'un clan qui est très respecté au sein de notre, de notre ville, la, la Mecque. Et, euh, mais il y a un problème, c'est que tu, 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 tu appelles à quelque chose qui, 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 nous, qui nous sépare, qui sépare euh, les familles, qui sépare les clans, qui rend les gens. Euh, mécréants par rapport à notre religion et toi-même tu dis que nos ancêtres sont mécréants etc. Donc euh, il Donc, commence à, tu à la madouer un petit peu, il commence à, à, à lui dire que tu fais partie vraiment de, de, des gens nobles parmi nous etc. D'un clan qui est noble etc. Mais ton seul défaut, c'est que tu commences vraiment à parler en mal de, notre, de, 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 de nos rites, de, notre, de nos religions, de nos divinités, et, et, et ceci est quelque chose de, 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 euh, qui nous fait du mal, qui nous fait de la peine. Et euh, euh, il continue à lui proposer justement euh, quelque chose euh, qui pourrait éventuellement euh, l'intéresser, selon Utb ibn Nourrabia. Donc il lui dit « Yabna akhi » إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كنت وإن كان هذا يأتيك هذا الذي يأتيك Donc Il commence à, à vraiment à, à lui dire si tu es euh, quelqu'un de, de qui 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 veut euh, le, le le pouvoir on te donnera non, le pouvoir si tu veux quelqu'un qui veut euh, l'argent, on te donnera l'argent. Si tu veux quelqu'un qui... Si tu, si tu veux avoir, justement, euh, une, vraiment, euh, le, tout, même le règne, si tu veux devenir un, mora, un monarque, euh, nous, nous te désignerons notre monarque. Mais arrête d'appeler à ce à quoi tu appelles. Puis le prophète, sallallahu wa sallam, euh, il lui dit en toute, euh, en toute sagesse, en toute euh, quiétude, et surtout euh, avec euh, beaucoup de politesse, Malgré tout ce qu'il a dit, il lui a dit Afararate, euh, Abel Walid, est-ce que tu as fini euh, euh, au Utbah, au Abel Walid euh, Est-ce que tu me permets de parler sami atamini euh, Donc, euh, Utbah ibn Rabi'ah lui donne l'autorisation de parler et le prophète wa sallam, commence à, euh, à répondre. Et il va répondre avec euh, le Coran en disant ونبدأ بأن نقول بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى آخر الآيات ويستمر uh, الرسول صلى الله عليه وسلم في uh, سورة فصلت حتى فإن أعرضوا sa'iqatan comme euh, sa'iqati en traduction euh, approximative, « et euh, si jamais euh, vous refusez euh, » à la troisième personne du pluriel, « et si jamais il refuse, euh, alors dis-leur, oh Mohamed, je vous ai averti euh, » Un, un terrible châtiment comme celui qui a atteint, comme celui qui a touché euh, les peuples anciens comme euh, Aad et Thamud, ce sont des peuples anciens. Et euh, Allah, wa avec ses paroles, euh, a jeté euh, vraiment la terreur dans le cœur de notre ibn -rabi et bien sûr, le, le, vraiment l'émerveillement le, également, une terreur mélangée avec l'émerveillement. Et Utba ibn Rabi' met sa main sur la bouche du prophète pour lui dire euh, Arrête, arrête de dire euh, ces paroles Je t'en supplie par l'amour de Dieu et par l'amour de tes parents euh, Arrête de, de, de dire ceci Et Utba ibn Rabi' il savait que c'était des paroles justes c'était des paroles euh, qui, qui émanaient, qui venaient de Dieu Subhanahu wa Un avertissement comme celui-là qui vient euh, de la part de Dieu wa avait de quoi euh, terroriser justement les, les Qurayshites. Et euh, euh, il revient, Utba ibn Rabi, il revient voir son, 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 son peuple et ses semblables pour leur dire « Ya mashar al-Quraych, atay'uni donc, ô peuple de, de, de Koraïch, euh, 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 écoutez-moi et, euh, et, et, et obéissez à ce que je vous dis. Euh, laissez cet, cet homme faire ce qu'il a à faire. Euh, cette parole n'est pas une parole humaine ce n'est pas, euh, ce n'est ni de la poésie ma, euh, ce n'est ni une parole euh, poétique ni euh, de la magie, ni de la sorcellerie euh, mais c'est quelque chose qui émane de Dieu c'est quelque chose qui vient de Dieu vous voyez comment les, les Quraychites eux-mêmes, ils étaient convaincus euh, que c'est la parole de Dieu et c'est pour ça que Allah Dit الانعام, nous savons que ce qu'ils disent te rend euh, triste mais en vérité ils ne, te, ils ne mettent pas en doute ta parole mais simplement ce sont des gens euh, qui sont euh, qui sont têtus ils sont têtus envers لسيني les, ديو uh, les سبحانه وتعالى دونو نزارو تانلا نشار فخا ونشار سر الأسبوع الأسبوع برشان مع هذه الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما نقول وان نقول ما ينفعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين